around, shake. Salut tout le monde, c'est Dynamo, donc on se retrouve aujourd'hui sur Destiny pour vous présenter un petit glitch sur le Templier. Donc pour ce glitch, vous n'avez besoin d'aucun personnage en particulier, mais si vous avez un chasseur épéiste, ça aide. Donc tout d'abord, pour réaliser ce glitch, vous allez aussi avoir besoin d'un arcaniste en réanimation ou d'un chasseur en flèche. Tout simplement, vous devez jeter la première grenade pour l'arcaniste et il me semble pour le chasseur, ça s'appelle la grenade à vortex au pied du Templier. Pour le faire reculer de quelques centimètres pour qu'il ne puisse pas nous embêter pendant ce glitch. Donc une fois la grenade lancée sur le Templier, le porteur de relique devra prendre la relique, vous détruisez les deux premiers oracles, puis les deux suivants. Ensuite le porteur de relique va prendre la relique, va se poser exactement là comme Kaiser le fait avec son titan. Et tout simplement les 5 autres personnes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre de l'autre côté, donc avec des épées, avec des Jalahorn et tout, ils vont tout simplement à chaque fois DPS les mobs et tuer sur le boss. Faut savoir que Kaiser, enfin le porteur de relique du coup là c'est Kaiser, ne bougera pas de là-bas. Il sera toujours avec la relique, accroupi parce que personne ne le tirera dessus et c'est ça le glitch. En gros il est invisible aux yeux des mobs et il peut bloquer la téléportation sans aucun problème. Donc ceux de l'autre côté, ce qu'ils devront faire c'est juste DPS les mobs et tout simplement bloquer la téléportation pour que le Templier ne se téléporte pas et au final vous réussissez le défi. Donc comment bloquer la téléportation? Pour bloquer la téléportation de l'autre côté, c'est tout simple. En fait, il va y avoir le rond, ce qu'il va falloir se faire, voilà, c'est juste se placer derrière ce rocher et attendre. Donc vous voyez que nous, on avait un deuxième chasseur épéiste, qui, enfin c'était moi d'ailleurs, qui se mettait invisible et qui allait tout simplement bloquer la TP. Et t'avais Kaiser, donc du coup de l'autre côté, qui bloquait la TP, vu qu'il était invisible pour le Templier et les mobs. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, si vous a plu, enfin ce tuto glitch, si vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, vous abonner et tout, enfin comme d'hab vous connaissez les bails. Donc je vous dis bonne journée, merci d'avoir regardé, ciao tout le monde, c'était Dynamo.